Alors, bonjour à tous. Je ne sais, vous n'êtes pas beaucoup. Que se passe-t-il? Où sont les gens? C'est mercredi. Peut-être que les gens ont envie de se relaxer. Ou peut-être qu'ils ont senti que j'avais préparé un cours un petit peu spécial. Aujourd'hui, ça va être spécial. Aujourd'hui, ça ne va pas être comme les cours que nous avons eus dernièrement. Donc j'espère que vous allez bien. On va commencer par saluer tout le monde. Sundar est avec nous. Elsa est là. Louise est là aussi. Qu'il y a d'autres? Il y a Kelvin qui est là. Yossi, Bickert qui est là. Et Just Cold qui est là. Selam est là. Meronteka est là. Et Ice Cubes nous rejoint. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits chats que vous avez là probablement. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va être différent. On n'aura pas toutes les rubriques qu'on a habituellement. On aura juste une seule rubrique. Et ça va être l'exercice du jour. Pour les personnes qui ont eu le plaisir d'avoir les cours pendant le confinement, c'est-à-dire avant que je recommence, on va faire un exercice qui était un exercice assez classique que nous avons fait à cette époque-là. Et l'exercice, en fait, c'est de trouver les mots qui manquent. Et donc, ça va être logiquement assez rapide. Vous allez voir. L'idée, ce sera de faire ça en deux langues, et bien sûr, comme d'habitude, on cherchera eh bien le mot qui manque en français. Et on attaque avec la première. Alors effectivement, ici, nous étions à la recherche de me. Alors souvenez-vous, pour les personnes qui étaient là à l'époque, idéalement, j'aimerais bien que vous écriviez la phrase en entier. Pourquoi? Comme j'avais déjà expliqué, en écrivant la phrase en entier, vous travaillez aussi sur l'orthographe et votre mémoire va emmagasiner un petit peu mieux les mots que vous voyez. Donc là, l'idée, ce n'est pas simplement de trouver le mot qui manque, mais c'est aussi de le trouver et de réécrire la phrase. D'accord? Alors je sais que c'est pas toujours très facile si vous travaillez sur votre téléphone. Mais bon, faites si vous pouvez, hein, bien sûr, c'est une recommandation. Donc ici, c'était effectivement me, puisque le verbe c'est se sentir, et donc on doit le conjuguer, je me sens mal. Nous continuons avec celle-là. Alors là, bon, j'acceptais fils puisque c'est ce que je vous ai proposé ici.
Garçon aurait été aussi possible. Hein, souvenez-vous qu'on peut aussi utiliser garçon. Alors, Yesero a utilisé enfant. Pas vraiment, parce que Yesero, enfant, c'est en général, c'est-à-dire que c'est neutre. Là, l'idée, quand même, c'était de s'orienter sur le masculin. Donc, c'était fils ou garçon. Fils est intéressant, puisque si c'est au singulier ou si c'est au pluriel, ben, finalement, c'est la même forme. FILS. Allez, on attaque avec la suivante. Alors là, effectivement, nous étions à la recherche de personne. Et vous savez que personne, quand personne a cette signification, en fait, il fonctionne avec ne, hein, c'est-à-dire ne personne, ou comme ici, personne est le sujet, personne ne. Hein, donc les deux sont vraiment, vraiment liés. Et en général, vous devez les utiliser ensemble. Regardez la phrase qui suit. Alors ici, ça dépend un petit peu du contexte finalement. C'est-à-dire qu'une traduction directe de Go, ce serait bien sûr aller. Je vous laisserai aller. Mais finalement, ce n'est pas vraiment une expression qu'on utilise en français. En français, cette notion de I will let you go, c'est plutôt avec le verbe partir. Et donc l'expression en français, c'est je vous laisserai partir. Donc on utilisera plutôt partir ici. Laisserai, vous avez remarqué que c'est un magnifique conditionnel présent. C'est le conditionnel présent du verbe laisser. Alors regardons la phrase suivante. Alors, Yossi parle encore de, oui, s'en aller. Ben oui, aussi, mais dans ce cas-là, oui, je vous laisserai vous en aller, hein, vous en aller. Hein, on est obligé, souvenez-vous, hein, pour l'infinitif, ici, on est quand même obligé de mettre le pronom correct. Je vous laisserai vous en aller. C'est un petit peu lourd, hein. Concrètement, grammaticalement, c'est bon, mais c'est un petit peu lourd, donc vous pouvez le faire. Alors regardons la phrase qui suit. La phrase qui suit, effectivement, c'est un adjectif, et l'adjectif, c'est doué. Doué, vous l'avez bien écrit, parce que doué doit être au féminin ici, donc on le prononce comme le masculin, c'est-à-dire le masculin, c'est D-O-U. E accent aigu. Là, on rajoute juste le E, mais la prononciation reste la même. Doué. Regarde. Ah, pardon, non, il n'y a pas de regarde. Comme elle est douée. Allez, regardons la phrase suivante.
Alors effectivement ici, comme vous me le proposez, c'est plutôt encore. Faites attention, toujours pas vraiment. Ici, c'est vraiment encore. J'ai encore beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup à apprendre. Elle avait encore beaucoup à apprendre. Petite information pour les personnes qui arrivent. Idéalement, s'il vous plaît, si c'est possible, d'écrire les phrases en intégralité, ce serait très gentil. Comme ça vous fait un exercice et vous allez mémoriser l'orthographe des mots plus facilement. Regardons la phrase suivante. Allez-y. Alors effectivement, ici, le verbe c'est se souvenir. Donc vous devez bien sûr mettre un pronom je ne me hein, souviendrai de rien. Souvenez-vous, donc ce souvenir futur, je ne me souviendrai de rien. Très bien, on continue avec celle-là. Allez-y. Alors ici, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est postal, donc c'est un adjectif, idéalement pas de majuscule, picard. Faites attention, hein, postal, comme c'est un adjectif, la forme masculine, c'est postal. Mais ici, vous voyez que carte, c'est féminin, donc on doit rajouter le e à la fin. Postal. Phonétiquement, c'est la même chose. Le masculin ou le féminin, on les prononce pareil. Mais on doit quand même marquer le féminin ici. S'il vous plaît, la suivante.
Alors là, effectivement, nous étions à la recherche d'un pronom complément d'objet direct. Le, puisque voir, on voit quelqu'un, on voit quelque chose, il n'y a pas de préposition. Donc c'est un complément d'objet direct. Donc ici, c'est automatiquement la troisième personne du singulier et nous cherchons le masculin. Le, je le vois sortir. Allez, continuons. Alors ici, nous étions à la recherche d'une préposition, d'une profession, pardon, et c'était banquier. Alors banquier, donc que l'on doit mettre finalement au masculin, puisque vous voyez qu'ici c'est il. D'accord? Donc il était banquier. Banquier, vous l'écrivez Q-U-I-E-R. Alors c'est lié bien sûr à la banque, hein, aussi, hein, une banque, Bankuer. Alors, Rajni dit pas un. Non, Rajni, souvenez-vous, quand on va utiliser la forme je suis, tu es, il est, etc., dans ce cas-là, on ne met pas un. Si vous utilisez Rajni, pardon, la forme c'est, hein, c'est apostrophe, est, là, vous allez mettre c'est un banquier, c'est un danseur, c'est une danseuse, c'est une banquière. Mais il est banquier, elle est danseuse, elle est banquière, il est danseur, etc. Allez, j'espère que c'est clair. Alors, nous continuons avec une nouvelle série de 10 phrases. Alors nous sommes d'accord qu'ici, nous sommes à la recherche de chaud. Hein. Ici, comme on utilise c'est, on doit automatiquement mettre le masculin. Hein. Souvenez-vous, c'est chaud, c'est bon, c'est grand, etc. Bien sûr, cet adjectif pourrait être mis au féminin si on utilisait quelque chose qui était féminin. Et la forme féminine, c'est chaude. Mais ici, comme on a c'est, eh bien, ce sera toujours au masculin. Regardons la suite.
Alors, ici, nous sommes à la recherche d'un pronom et le pronom c'est me. Nous sommes d'accord que le verbe, encore une fois, c'est se sentir. Donc ici, on doit bien sûr adapter le pronom à la première personne du singulier, je me. Et puis après, vous voyez que nous avons un futur. Je me sentirai AI perdu. Très bien, eh bien on continue si vous voulez bien avec celle-là. Alors ici, j'aimais ou j'avais envie plutôt d'insister sur le anymore, hein, donc vraiment cette négation absolue finalement. C'est-à-dire c'est plus fort que le pas, c'est le plus. Souvenez-vous, on le construit de la même façon. D'abord ne et ensuite plus. Et là, on ne prononce pas le S. Ne. Plus. D'accord? Je n'en avais plus besoin. D'accord? Eh bien écoutez, c'est formidable. Continuons si vous voulez bien. Alors, Bickert pose la question plus jamais. Bickert, on peut utiliser plus avec d'autres variations, plus jamais, plus du tout. Donc, on peut rajouter, mais ne plus, c'est déjà largement suffisant. Alors là, effectivement, nous étions à la recherche de faim. Hein. Souvenez-vous, l'expression, c'est avoir faim, avoir soif, etc. Donc ici, c'était faim. On l'écrit FAIM. On le prononce faim, comme FIN. C'est exactement la même prononciation. Allez, on continue avec ça. Alors là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Nous sommes à la recherche de tout. Je crois que c'est tout. Victoria Jacques qui n'est pas suffisamment généreuse. Ah si, vous avez rajouté le T, hein? Vous étiez trop rapide. C'est ça le problème. Je crois que c'est tout. On continue avec la suivante. Thank you.
Alors Rajni qui pose la question, quelle est la différence entre croire et penser? On pourrait imaginer ou on pourrait simplifier et dire que qu'on pense avec la tête et on va croire avec des convictions. C'est la raison principale pour laquelle on utilise cette notion de croire quand on va parler de religion, par exemple. Si vous croyez en Dieu, vous ne pensez pas en Dieu, hein. Vous pensez avec votre tête, c'est-à-dire c'est quelque chose qui logiquement devrait être rationnel. Croire, c'est plus les sentiments, les sensations et les impressions que vous avez. Alors, pour la chose que nous cherchions là, eh bien, nous sommes d'accord que c'était tard. Je pense que c'est bien écrit pour tout le monde. Aïda Meh a mis quelque chose d'un petit peu étrange, mais peut-être que ça n'est pas la même chose. Upasana, attention, tar, c'est TARD. Hein, donc TARD, on ne prononce pas le D. Voilà, et nous continuons avec la prochaine. Alors Renato Silva qui me demande quel est mon métier. Mais je suis professeur de français, Renato Silva. Et depuis très 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 longtemps. Alors Elsa demande, est-ce que le 1 UN se prononce de la même façon que le 1 IN? Elsa, quand on parle de phonétique ou quand on parle de prononciation, mais il y a toujours cette différence entre, comment dire, la région d'où on vient. Donc ça dépend, Elsa, ça dépend où vous êtes et ça dépend avec qui vous parlez. En France, actuellement, on va dire d'une façon très très générale. Personnellement, je suis originaire d'une région, les Pays de la Loire, où on considère que nous n'avons pas d'accent. C'est-à-dire qu'officiellement, nous parlons comme on écrit. Si vous allez dans le sud de la France, il y aura une petite différence. Si vous commencez à aller dans le nord de la France, il y aura là aussi une petite différence entre le 1 et le 1, qui sera un peu plus étroit. Si vous partez au Canada, là, la différence, elle sera aussi présente. Si vous allez en Belgique, il y aura une petite différence. Donc, Elsa, tout est relatif. Moi, je peux vous dire qu'en français standard, c'est-à-dire le français de France que vous pouvez voir ou entendre dans les médias, il n'y a presque plus de différence entre UN et IN. Mais à l'origine, il y avait une différence. Mais la tendance, c'est qu'il n'y en aura probablement plus du tout dans quelques décennies. Alors, le mot que nous cherchions ici, j'en acceptais deux. Tout le monde m'a proposé écharpe, et c'est très très bien, effectivement. Alors, écharpe, c'est intéressant parce que écharpe, c'est féminin. Hein? Donc une écharpe. Mais en fait, comme écharpe commence avec une voyelle, souvenez-vous la règle de grammaire qui est que si ça commence avec une voyelle et que c'est féminin, on doit mettre les adjectifs possessifs masculins. Mon écharpe et pas ma écharpe. Donc ça, c'est la première chose. J'aurais accepté aussi un autre mot pour la traduction de scarf. J'aurais accepté foulard. Hein, je ne l'avais pas mis parce qu'en général on utilise plutôt écharpe, mais foulard aurait été une possibilité ici. Allez, continuons avec la phrase suivante.
Alors, Yossi qui nous pose une question intéressante. Est-ce que c'est vrai que Mireille Mathieu avait des problèmes de se débarrasser de son accent provençal? Alors, Yossi, quand j'étais plus jeune, et j'avais deux professions en fait simultanées. J'étais professeur et en même temps, je travaillais à la radio et j'interviewais des gens. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer Mireille Mathieu, qui était vraiment très très délicieuse, très gentille. C'est vrai qu'elle avait un petit accent provençal, mais vous savez aussi, les accents, c'est une question de volonté. Et il y a des personnes qui veulent garder leur accent, un petit peu comme quand des gens parlent une langue étrangère, vous savez, certains Français qui peuvent parler anglais et qui décident de garder leur accent français. Je pense qu'on peut se débarrasser d'un accent, c'est une décision à mon avis. Mais oui, pour répondre à votre question, Yossi, elle avait toujours un petit accent très, très joli. En tout cas, pour les Français, c'est toujours très sympathique. L'accent du Sud est vraiment très chouette. Alors ici, donc, on parle d'une carte bleue. C'est vraiment intéressant. Si vous allez en France, on va plutôt parler de carte bleue, hein, parce que c'était le nom de l'organisme qui avait commencé à proposer des cartes de crédit aux Français. Continuons avec celle-là. Alors là, effectivement, nous étions à la recherche d'un démonstratif ici, le masculin, la forme basique, ce, puisque soir, eh bien, c'est masculin, ce soir. Alors, Zilanzen qui nous dit ces phrases sont très faciles. Ben oui, mais Zilanzen, quand je propose des citations philosophiques et je demande de commenter, on me dit que c'est trop difficile. C'est toujours difficile, Zilanzen, de faire plaisir à tout le monde. Et pourtant, je voudrais faire plaisir à tout le monde. Mais c'est difficile. On continue avec celle-là. Alors là, effectivement, là encore, alors j'imagine que ça doit être considéré comme trop facile. Ici, c'est le verbe vivre qui est au passé composé. Il a vécu dans ça. Donc effectivement, puisque voiture, c'est féminin. Donc sa voiture. Allez, on y va. Thank you.
Alors là encore, assez simple, mais électricité, idéalement, vous mettez des accents sur le premier et sur le dernier E, oui. Ou Passana qui propose facture. Alors la facture d'électricité, c'est ce que vous recevez et que vous devez payer, hein. Si vous ne payez pas, eh bien vous n'aurez plus d'électricité après. Allez, on continue avec celle-là. Alors effectivement, là, nous étions à la recherche de ce. Je dois dire bravo à Nels Abrams parce qu'il met ce que. Hein, effectivement, hein, c'est normalement c'est ce que. Alors ici, nous sommes d'accord que c'est plutôt le ce. Hein, mais normalement, oui, le e disparaît et puis on met l'apostrophe parce qu'il y a le i juste après. Allez. Alors, le chien, c'est plutôt le grand modèle. Le bébé de chien, c'est ce qu'on appelle un chiot. On écrit ça, c'est Chiot. On ne prononce pas le T final. Je veux un chiot. Allez, on continue. Alors là, faites attention parce qu'effectivement, on n'utilise pas trop connexion dans ce contexte-là. Nous sommes d'accord qu'ici, l'idée, c'est que vous prenez un avion, vous prenez un train, vous prenez un bus ou un bateau, et puis vous descendez et hop, vous devez attraper un autre train, avion ou bateau. Ça, c'est ce qu'on appelle une correspondance. D'accord? Donc une correspondance, et ça c'est vraiment le terme qu'on va utiliser en général. Si vous dites connexion, on peut comprendre, mais ce n'est pas vraiment le mot qu'on va utiliser normalement.
Donc là, ça doit être très très rapide quand même, effectivement, puisque c'est je. Ça, je suppose que logiquement, tout le monde le trouve, et effectivement, ici, c'est le conditionnel présent. Je parlerai AIS. Alors effectivement, souvenez-vous, c'est toujours pratique hein, de se souvenir du genre des mots. Le mot câble, spécialement maintenant, on a tendance à l'utiliser assez facilement. Donc c'est masculin. Auriez-vous un câble pour ce téléphone? Alors là, nous sommes d'accord que nous étions à la recherche finalement d'un pronom et le pronom complément d'objet direct me. D'accord? Donc je l'ai vu me regarder. Hein. Comme d'habitude, le pronom doit être avant le verbe qui le concerne. Et donc ici, je l'ai vu me regarder. Alors là, je vois des hésitations. Alors effectivement, on pourrait utiliser entrée. L'idée ici, c'était juste de vous demander d'utiliser le devant. Un sapna qui pose la question, mais c'est devant? Oui! MNM19, c'est bon. Donc effectivement, c'est la porte de devant. Alors si vous préférez la porte d'entrée, on pourrait l'accepter, mais là, il n'y avait pas l'apostrophe, donc c'est plutôt la porte de devant. Mais la porte d'entrée, je l'accepte, mais bien sûr avec l'apostrophe.
Alors ici, la question, effectivement, vous êtes un petit peu hésitant, ça n'est pas clair. Regardez, ici, nous sommes à la recherche de rien. Je ne veux plus rien manger. Je ne veux plus rien manger. Donc apparemment, c'était un petit peu difficile pour certaines personnes. Weddy Forto, rafraîchissez, nous ne sommes pas synchronisés ici. Allez, une petite pause d'une seconde. Et nous continuons avec la nouvelle série de 10 phrases. Allez-y. Alors, Rajna qui pose une question, est-ce qu'on peut utiliser deux expressions de la négation? Oui, vous pouvez dire je ne veux plus rien faire, je ne veux plus rien dire. Hein, ça, c'est possible. Alors ici, regardez, nous étions à la recherche du mot table, puisque l'expression, c'est mettre la table. Mettre la table, hein, quand vous allez mettre les assiettes, les verres et les couvert pour ensuite pouvoir dîner ou déjeuner. Nous continuons. Alors ici, normalement, j'attendais contre. Sapna nous propose opposer. Pourquoi pas? Mais en général, Sapna opposé, on va continuer la structure. Hein? J'étais opposé à cette idée. J'étais opposé au projet que vous proposez. Si vous voulez faire simple, hein, c'est je suis contre ou je suis pour. Hein, c'est beaucoup plus court. Donc ici, c'était l'imparfait. J'étais contre. Rajni qui me demande, je ne suis pas un robot, Rajni. Un autre exemple avec de négation. Je n'ai jamais rien fait d'intéressant. Alors ici, bon, c'était relativement simple puisque nous étions à la recherche de hier. Hein. Souvenez-vous, on l'écrit avec un H, mais le H est totalement muet. Hier, hier, hier. Il est venu pour les voir
hier. Allez, continuons joyeusement. Et là, je dis bravo, bravo pour les personnes qui me mettent la magnifique forme de savoir, elle sait. Souvenez-vous, les deux verbes connaître et savoir sont toujours un petit peu difficiles à maîtriser. Apparemment, ça a l'air d'être bien. Souvenez-vous ici, savoir, on va utiliser savoir tout simplement parce qu'on a ensuite une structure verbale. Je sais comment faire ceci. Je sais pourquoi il me parle tous les jours. Je sais, enfin, etc. Donc, savoir plus une structure verbale. Connaître, ça n'est pas possible. Hein? Donc, connaître va tout simplement être « je connais cette chanson »,« je connais cette personne », »,« je connais ce dossier », etc., etc. Mais c'est vraiment basique et il n'y a pas de verbe après « connaître ». Continuons. Alors, Sapna pose la question, est-ce qu'on utilise connaître quand ce serait Universal Truth? J'aurais tendance à vous dire, Sapna, que pour moi, c'est plus grammatical que ça. Comme j'ai expliqué, savoir est soit avec une structure verbale ou rien du tout. Oui, je sais. Hein? Yes, I know. Oui, je sais. Mais connaître, vous allez l'utiliser avec quelque chose, mais pas avec un verbe et surtout pas avec une structure verbale après. Alors ici, on était bien sûr à la recherche de premier, hein, donc si c'est, voilà, donc le masculin, je vois qu'il y en a qui insistent pour la forme féminine, c'est très bien. Allez, nous continuons. Alors ici, eh bien, écoutez, apparemment tout est clair, nous étions à la recherche de « que hein, », puisqu'effectivement ce « que c'est », là il n'y a pas de problème, je regarde vos réponses. Non, tout est bien, effectivement. Yossi demande « est-ce qu'il y a quelque chose sur les sur savoir et connaître ?» Oui, oui, j'ai fait il y a longtemps, je me souviens quand j'étais jeune, quelque chose sur savoir et connaître. Allez sur, oui, regardez, cherchez aussi, vous allez trouver. «
Alors là, effectivement, on était à la recherche de combien. Combien on l'écrit? COMBIEN. Je pense que tout le monde l'a bien écrit. Je suis en train de regarder. Attention, Iris. Combien? Il n'y a pas de E entre le M et le B. Mais sinon, non, non, c'était bien écrit, effectivement. Pas de problème. Allez, on continue si vous voulez bien. Alors ici, effectivement, nous étions plutôt quand même à la recherche du féminin Sundar qui nous met lui. Non, non, non. Happy Health, non, 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 pas lui. Ici, c'est vraiment le féminin, c'est avec elle. Souvenez-vous, c'est intéressant parce que là, on parle finalement de ce qu'on appelle les pronoms toniques. Et les pronoms toniques, ils sont un petit peu bizarres parce que vous dites avec moi. Avec toi, avec lui, mais avec elle. Donc le elle, ben finalement, c'est la même chose que le pronom personnel sujet. Après ça, c'est la même chose pour nous et vous. Avec nous, avec vous. Ensuite, avec eux, donc là, ça change pour le masculin pluriel. Avec elle, c'est la même forme pour le féminin pluriel. Très bien, donc ici c'était le féminin singulier avec L, E, L, L, E. Je vous ai vu. Vu pourquoi? Ben parce que s'il y a plusieurs personnes, upasana, voir quelqu'un, pronom, complément d'objet direct, vous avant avoir, vous devez marquer le pluriel sur votre participe passé, upasana, c'est la règle. Et la règle, c'est la règle. Encore une fois, le COD que Ice Cubes déteste. Allez, on continue. Et là, encore une fois, nous étions à la recherche de personnes. Et souvenez-vous, comme je vous l'ai dit justement au début du cours, eh bien, personne va être utilisé avec ne. Et là, encore une fois, personne est sujet. Donc, personne ne t'a vu. Donc, le ne est vraiment fondamental parce qu'il doit être utilisé avec personne. D'accord? Là, c'est sujet. Sinon, je n'ai vu personne. C'est la même chose, c'est-à-dire ne sera avec personne. Voilà. Ben j'espère que c'est clair, parce qu'effectivement, ça va vite. «
C'est mercredi, et le mercredi dans le pays où je suis actuellement, eh bien, c'est sauna. Et donc, comme c'est sauna, je dois vous laisser parce que mon sauna m'attend et ça va être bien sympathique. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est à 16h, les exercices en direct. Merci beaucoup, bonne journée, matinée, soirée, et à demain si vous voulez. Au revoir.